Alors, les juridictions françaises procèdent de la façon que vous avez dite, pour une raison simple qui tient à la nature du droit de l'arbitrage international. Dans ce droit, d'abord, l'arbitre est lui-même chargé d'appliquer les règles d'ordre public international. C'est une jurisprudence ancienne qui a consacré ce pouvoir. Donc il serait assez illogique, après lui avoir donné ce pouvoir, de lui retirer par un contrôle trop approfondi de ce qu'il a fait. Et deuxièmement, il y a dans le droit français de l'arbitrage international une conception qui est celle de la confiance accordée à l'institution de l'arbitrage et à l'arbitre international. L'on considère que cet arbitre, qui est un juge choisi par les parties, est particulièrement qualifié pour statuer sur ce point. Et d'autre part, la règle alors tout à fait fondamentale est que le juge chargé de contrôler la sentence à l'égard de l'application de dispositions d'ordre public international n'a pas le pouvoir de réviser la sentence. C'est-à-dire qu'il ne peut pas rejuger le procès. Il est juge de la sentence elle-même, il n'est pas juge du procès. Or, procéder à un contrôle approfondi de l'ordre public international le conduirait à instaurer un nouveau débat devant lui sur cette question, et cela est totalement interdit au juge du contrôle.